Good morgen, allez, Iden, les sutures aujourd'hui, le Nishmat, Avraham, Chai, Norbert, Ben Fortune, Mazal, Rafami, Menosa, et Edita, Betester, si vous souhaitez vous aider à notre chaîne d'études de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étions Maseret El Chin, Perek Dalet, Mishnah Aleph. Ha Omer Mishkali Alai, Noten Mishkalo. Im Kesef, Kesef. Im Zahav, Zahav. Maase Beima Shel Yermatia. She Amra Mishkal Biti Alai, Vealta Lirushalayim, Ushkalua, Venatna Mishkala, Zahav. Mishkal Yadi Alai, Rabbi Yehuda Omer, Memale Chavit Maim, Umachnisa Ad Marpeko, Veshokel Besar Chamor Vegidin Vatsamot, Venoten Netucha Ad Shitit Male. Amar Rabbi Yossi, Vechi Ech Efshar Lechaven Besar Keneged Basar Vatsamot Keneged Atsamot, El Hashemin Et Hayad Kama Yiru Yanishkol. On commence dans ce chapitre 4 de Rin, un nouveau sujet, celui qui va faire le vœu de donner son poids en argent. Avec différentes, on aura l'occasion de découvrir encore d'autres cas de figure dans la prochaine Mishnah essentiellement. Et donc, la Mishnah, je commence à traduire la première partie tout de suite, on explique ensuite. Haomer Mishkali Alai, celui qui fait le vœu de donner son poids, donc littéralement celui qui dit je prends sur moi de donner mon poids. D'accord? Je pèse un certain poids et je vais donner mon poids d'or, d'argent, comme on va voir. Noten Mishkalo, et bien il devra donner son poids. On va le faire monter sur la balance, on va voir. 90 kilos, tu payes 90 kilos, d'accord? Im Kesef. Kesef, si tu as prononcé, exprimé ton vœu que tu vas payer en argent, tu donneras de l'argent. Et ve im Zahav, Zahav, et si tu as fait un vœu de donner de l'or, tu donneras de l'or. Et la Mishnah continue en me rapportant un cas, une histoire avec Maase Beima Shel Yermatia, comme ce fut le cas d'ailleurs avec la mère de Yermatia, une jeune fille. Sheamra Mishkal Biti Alai, que la mère, elle avait dit qu'elle fait le vœu de donner le poids de sa fille au Beth Amikdash. Ve'alta l'Yerushalayim, et elle est montée à Yerushalayim, ushkalua, et ils l'ont pesée, ve'natna mishkala zahav, et ils lui ont dit, ben, tu donneras le poids de la fille en or. D'accord? On explique un petit peu mieux de quoi on parle, parce qu'en fait, il y a une halakha un peu, c'est la lecture, traduction, en fait, et on a sauté quelques petites phrases de transition. En réalité, si vous faites attention à marquer, Omer Mishkali Alai, Noten Mishkalo, c'est une halakha fixée, que celui qui fait le vœu de donner son poids au Beth Amikdash, il devra donner son poids. Son poids de quoi? Alors quand on a traduit, on a dit, si c'est de l'argent, de l'argent, si c'est de l'or, c'est de l'or. Mais c'est pas exact. Parce que d'abord, il y a une halakha ici qui a été donnée, que si tu as fait le vœu de donner ton poids, tu dois donner ton poids. Ton poids de quoi? Eh bien, on va regarder dans toutes les choses dans la ville qui sont vendues au poids, on va prendre la plus basse valeur, et tu vas le donner. Comme le Bartanora nous rapporte, s'il s'agit de goudron, du zéphet, ou s'il s'agit de betsalim, des oignons, si on vend les oignons au poids, eh bien tu pourras aussi donner ton poids en oignons, parce que tu n'as rien précisé. Je fais le vœu de donner sur moi mon poids, donc tacitement j'ai rien précisé, on va prendre la chose la plus basse vendue au poids. Maintenant, si tu as précisé que tu allais donner de l'argent, alors bien sûr on donne de l'argent, tu as précisé que tu donnes de l'or, donne de l'or. Et la Mishnah continue en me rapportant une histoire particulière avec, regardez, on parle d'une femme qui a fait le vœu de donner le poids de sa fille, elle n'a pas précisé de quoi, et pourtant on lui a imposé de donner de l'or. Parce qu'en fait, il manque la phrase de transition qui me dit, si toutefois on a affaire à une personne qui est riche, alors on interprétait que tacitement, son intention était de donner de l'or, et comme ce fut d'ailleurs le cas avec la mère de Yermatia, qu'elle a fait le vœu de donner le poids de sa fille sans préciser quoi, parce que les Néroshanim ont dit tu donneras son poids en or. Fin du premier sujet de la Mishnah. Deuxième sujet de la Mishnah, Mishkal Yadi Alai, s'il fait le vœu de donner sa main. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda enseigne, Memale Chavit Maim, tu devras remplir un tonneau d'eau. Umachnisa Ad Marpeko, et tu leur rentreras ta main jusqu'à Marpeko, le bartonnerie traduit que c'est le coude. Belaz, le coude d'eau. Le coude. Et donc, tu calculeras, tu feras sortir de l'eau, du tonneau d'eau. Veshokel, Bessar, Chamor, Veginin, Vatsamot. Et ensuite, tu vas peser de la viande d'âne, où il y a dedans des nerfs et des Hatsamot, et des os. Gidin, donc des nerfs et des Hatsamot. Venoten et Tocha, et tu les fais entrer dans le tonneau d'eau. Hatchetit Malé, jusqu'à que le volume atteigne de nouveau le haut du tonneau. Et on explique un peu mieux de quoi on parle, c'est très simple. On a un problème technique.
on ne peut pas calculer le poids d'une main, en théorie. C'est un peu compliqué à savoir combien pèse une main. Parce que si je mets ma main sur une balance, je vais pouvoir décider d'actionner un peu mes muscles et d'appuyer un peu plus, et ça va peser plus lourd. Ou bien d'alléger, je vais peser moins. Comment est-ce qu'on va faire? Techniquement, moi j'ai une solution. Il y a une période où je dormais sans coussin. Je vous raconte ma vie, mais c'est pas grave, ça me fait plaisir. Parce que c'était très intéressant ce qui se passait. Je sais pas pourquoi d'ailleurs c'était lié au coussin. Mais il y a une période où je dormais sans coussin, et constamment le matin, je me réveillais, ma main elle passait sous mon corps, je sais pas comment, j'écrasais ma main, il n'y avait plus de circulation de sang. Et je devais ensuite m'occuper comme ça pendant 2 minutes, le temps que ma main se réveille, elle tombait comme une grosse masse. En théorie, je pense que dans une situation pareille, si je mets ma main sur une balance, ce sera le poids exact de ma main. Je suppose, je sais pas pourquoi, eh bien la Mishnah n'a pas pensé à une solution pareille. Peut-être qu'on peut pas endormir une main, je sais pas. J'étais pas à l'époque avec ma solution, qu'est-ce que je peux faire? En tout cas, ils ont été. Donc il a fallu trouver comment est-ce qu'on va donner le poids d'une main. Comment on donne le poids d'une main? Alors regardez, la solution elle est très simple. La solution elle est de calculer le volume et après de traduire ce volume selon la masse volumique de l'homme. Je m'explique. Calculer le volume d'une main. Comment est-ce qu'on calcule? On ne peut pas calculer le poids d'une main. On ne peut pas le mettre sur une balance, donc il va falloir calculer le volume. Calculer le volume, c'est simple. Tu prends un tonneau d'eau, rempli jusqu'en haut, et tu vas mettre. Tu mets ta main dedans jusqu'au coude, donc, parce qu'on appelle que la main s'implique jusqu'au coude, parce qu'à l'époque, lorsqu'il disait une main, il faisait allusion en fait à tout l'avant-bras, jusqu'à l'avant-bras, on va selon les Benedarim, Helech, Achar, Alachon, dans les Alachot, Benedarim, on va selon ce que l'habitude, le commun des hommes, exprime avec de tels mots. C'est une règle. De ce fait, donc, la main, à l'époque, ça impliquait jusqu'au coude, donc on trempait la main jusqu'au coude, on a fait déborder une certaine quantité d'eau. Après, on lui fait ressortir la main. On voit donc que le tonneau, il manque une couche d'eau. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour savoir combien pèse cette main? En théorie, il faudrait prendre de la chair humaine, prendre un mort, lui prendre des mains et lui remplir jusqu'à qu'on va voir. Maintenant, on peut pas mettre des morts dedans, bien évidemment. On ne va pas se mettre à découper un mort. Donc, quelle est la solution qu'on a? C'est d'apporter un âne, de la viande d'âne, avec approximativement les mêmes types, le même rapport de chair et d'os qu'on trouve dans la main. Il y a un rapport qui explique c'était dans Maseret Roulin, mais bon. Il y a donc le rapport avec les nerfs sont plus légers, les os sont plus lourds que la chair, il y a la chair elle-même. Donc tu prends de la viande d'âne, qui est proportionnellement, qui garde le même rapport qu'une main humaine, et tu vas mettre dedans la viande d'âne avec donc ses bouts d'os et avec aussi ses nerfs, jusqu'à que tu vas remplir le haut. D'accord? Doucement, tu vas prendre, on va commencer à mettre 1 kg de viande d'âne, où il y a dedans un peu d'os et un peu de nerfs. Tac, on met dans l'eau. C'est à monter, mais pas assez. On rajoute encore un autre petit kilo. Après, encore un troisième kilo. Après, encore un peu un demi-kilo, jusqu'à qu'on ait réussi à remplir le tonneau. Ok? Pourquoi de la viande d'âne? D'abord, pourquoi ne pas calculer l'eau elle-même qui est sortie? La réponse elle est très simple. Parce que la masse volumique de l'eau n'est pas la même masse volumique que l'homme. D'accord? L'homme est peut-être plus lourd que l'eau, j'imagine. Et de ce fait, donc, on ne va pas pouvoir faire que 1 litre correspond forcément à 1 kilo. Peut-être que ça fait plus. Maintenant, parmi tous les animaux, eh bien, il y en a un spécialement qui ressemble à sa contexture, qui ressemble beaucoup à l'homme, qui a la même masse volumique, c'est l'âne. C'est très intéressant. En fait, quand on dit à quelqu'un que c'est un âne, que c'est un chamor, tout simplement, c'est que c'est de la chair sans céréale. C'est de la chair, ouais, parce que c'est finalement magique, quoi. On a parmi tous les animaux, le seul qui a la même masse volumique que l'homme, c'est l'âne. Comme ça, c'est écrit dans la Mishnah. Donc, de ce fait, c'est pour ça qu'on a calculé selon l'âne. Ok? Rabbi, Amar Rabbi aussi. Rabbi aussi vient, il n'est pas content. Ça ne lui satisfait pas ce calcul. Pourquoi? Pas parce qu'il a un problème avec la masse volumique, mais il a un autre problème. Dans lorsqu'on va prendre de la viande humaine dans le bras, il y a dedans de la peau, c'est pas précisé, mais c'est sûr qu'il y a de la peau, il y a du muscle, de la chair, il y a de l'os, il y a des veines et des nerfs. Maintenant, chacun de ces éléments n'a pas la même masse volumique que l'autre. Je suppose que, probablement, hein, car un nerf, par exemple, un nerf doit être sûrement plus léger que de la chair. L'os, il doit être probablement beaucoup plus lourd que la chair elle-même.
De ce fait, on a un problème avec ton calcul, Rabbi Yehuda. Tu me dis de garder approximativement, mais tu seras toujours approximatif, tu ne seras jamais exact. Tu ne sauras pas combien pèse concrètement, combien pèse le bras. Pourquoi ? Parce que peut-être que dans le bras, finalement, il y avait plus de chair que d'os. Et quand tu as pris l'âne, tu as mis plus d'os que de chair. Donc tu as faussé le calcul. Donc ce n'est pas une bonne solution de faire ce que tu proposes. Et là, Shamin et Tayad, Kamahir ou Yalishkol. C'est pour ça que la seule solution qu'il nous reste, qu'il nous propose Rabbi aussi, c'est que, puisque tu n'as pas le choix, ben, tu évalueras le poids de la main, combien elle est censée peser. Quelque chose de très original. Ça m'a, quand j'ai étudié la Mishnah, quand je l'ai préparé, j'ai pas compris ce qu'il veut dire. Il nous dit, ben non, tu sais quoi, puisqu'on peut pas faire ton calcul bizarre, alors calcule le poids de la main. Mais si on pouvait calculer le poids de la main, depuis le début on aurait dit de faire ça, mais le problème c'est qu'on n'arrive pas à calculer le poids de la main. Donc d'après ce que j'ai compris en ouvrant le Rambam, c'est que le Rambam, pas le, sur le Pirushim Mishnah, le Rambam dans le Yad HaChazaka, dans Ilchot, dans Sefer Aflaa, Ilchot Arachin, Perek Bet, Ve'alacha He. Là-bas se trouve l'alacha. Tel que j'ai compris en tout cas, et ça m'a pas beaucoup plus aidé, mais en tout cas, le principe que j'ai compris, c'est qu'en fait on va calculer relativement, on va estimer selon un poids d'un homme qui pèse 100 kilos, on va dire, ben écoute, tout le tronc du ventre, du thorax pèse tant, la tête pèse tant, on va laisser 20% pour les mains, donc chaque main ça fait 10%, on calcule selon la main, tu donneras 7% du poids. D'accord ? Apparemment, c'est ça l'estimation qu'il vient de faire Rabbi aussi. Tout simplement parce que, puisque de toute façon tu ne pourras jamais arriver à une mesure exacte, alors procède selon cette logique, et puis voilà, d'accord ? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine. Ça sera call to, c'est là.